Alors, on va parler donc de l'art décoratif, enfin des années 1925, qui commence bien sûr pas du tout en 1925, mais qui commence dans les années 1905-1910. Il y a deux courants donc extrêmement importants, et c'est vraiment une scission importante, c'est donc les décorateurs, la SAD, et les architectes, l'UAM, qui sont un courant moderniste et un courant traditionnel. C'est vrai que ce phénomène de l'art déco est typiquement parisien. On vient à Paris parce que c'est le centre, c'est comme la mode. La haute couture est à Paris, les créateurs de meubles sont à Paris, la joaillerie est à Paris. Ils ont essayé d'utiliser des matériaux nouveaux, des matériaux anciens utilisés autrement. Mais ils ont développé, par exemple, le galucha, c'est une chose qu'on fabriquait déjà, enfin, on se servait au 18e, mais sur des tout petits objets, des petits objets un peu raffinés. Alors, galucha, c'est de la peau de petits requins, des mers de Chine. C'est comme une sorte de. Ça se travaille comme du cuir. Et donc, la laque, le galucha, la nacre, le cristal de roche, la corne, l'ivoire teinté. Tout ça en application sur des meubles et dans les bois, tous les bois exotiques qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Indonésie. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître un meuble art déco? Grande qualité d'ébénisterie, forme pure, recherche des matériaux, quelque chose qui attire l'œil parce qu'il est résolument moderne, qui correspond tout à fait à la fin du XXe siècle. Et que ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut connaître dans les styles français. Et on peut dire que le grand départ, l'intérêt des clients pour l'art décoratif, l'art déco, se situe à la vente de Jacques Doucet en 1972. C'est arrivé à l'Hôtel de Roux, comme ça, dans une salle, et ça a été le choc pour tout le monde, pour les marchands, les collectionneurs. Ça y est, ces meubles fabuleux étaient là. Ça a été acheté par les grands collectionneurs français de l'époque, par des musées américains, et ça a fait des prix extravagants. Donc il faut aussi se rendre compte qu'à l'époque, dans les années 1920, tous les efforts étaient concentrés pour que chaque foyer puisse avoir des créations contemporaines et modernes. Donc il y a eu un gros effort de fait par tous les magasins, les grands magasins, le Printemps, les Galeries Lafayette, le Bon Marché. Donc le Printemps a créé les ateliers Primavera, qui existent toujours d'ailleurs, et qui étaient donc les magasins artistiques dans ces grands magasins avec les créations contemporaines. Donc les ateliers Pomone, les ateliers Primavera. Il y a eu Atelia, et tout ça a été dirigé par des architectes décorateurs extrêmement importants à l'époque, qui faisaient un choix dans la façon de créer ces objets. Les décorateurs ont essayé de se pencher sur une diffusion à moindre prix, ont dessiné des meubles pour être produits en série. Donc ça, c'est une autre partie de l'art déco, c'est les meubles en métal, souvent en tube, qui sont d'ailleurs toujours édités maintenant, et qui sont au départ dessinés et réalisés pour la grosse production. Les meubles de Le Corbusier, les meubles pas de Charlotte Perriand, parce qu'elle, elle a fait autre chose, mais surtout Le Corbusier, et pour Miss Vendéraux plus tard, les Allemands réfugiés aux États-Unis. Breuer, tout ça est toujours édité par des maisons en 1996, et ça sont des créations qui datent des années entre 25 et 30. Le design est complètement basé sur tout ce qui a été trouvé dans les années 20-25. Ça, c'est implacable. Ils ont tout trouvé. Ils ont cerné le problème de façon tellement formidable qu'on ne peut plus, à part les matériaux aujourd'hui. Je dis, la seule création contemporaine qu'on pourrait trouver, c'est plus dans le dessin, mais c'est dans le matériau. Enfin, c'est une idée très personnelle. Hein.